Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on va voir une petite révision sur les leçons qu'on a déjà eues pendant cette année. Je parle aux élèves de CE2, surtout. Ce que je dois savoir, le courbe verbal. Alors, vous pouvez prendre votre livre, page 157, et vous faites bien sûr quelques exercices. Mais avant tout, je vous rappelle, le groupe verbal est essentiel à la phrase. Il est composé du verbe conjugué et des compléments de verbes qu'on ne peut pas enlever. Par exemple, la mariée attend son mari. Attend, c'est le verbe. Et le complément de verbe, c'est son mari. Les pronoms personnels substituent. Première partie. Page 167 du livre, bien sûr. Là, pour éviter les répétitions. Pour éviter les répétitions, je peux remplacer les groupes nominaux par les pronoms personnels que vous connaissez tous. Les pronoms personnels substituent, première partie, page 167. Pour éviter les répétitions, je peux remplacer les groupes nominaux par les pronoms personnels, comme l'exemple de il ou elle, ou il avec s et elle avec il, elle, il et elle. Le pronom personnel a le même genre, ça veut dire le masculin ou féminin, et le même nombre, ça veut dire le singulier ou pluriel. Le pronom personnel a le même genre, a le même nombre que le nom qu'il doit remplacer. Par exemple, Riyad fait ses devoirs. Melia rentre. Les élèves jouent. Les filles jouent. Alors je peux remplacer Riyad par il. Il fait ses devoirs. Nelia par elle. Elle rentre. Les enfants par il. Il joue avec S. Les filles, elle, elle avec S, joue. C'est troisième personne du pluriel. Riyad fait ses devoirs, il fait ses devoirs. Nelia rentre, elle rentre. Les enfants jouent, ils jouent. Les filles jouent, elles jouent. Alors, les pronoms personnels substituent, deuxième partie, page 179. Je et tu, il ou et vous s'utilisent dans les dialogues pour désigner soit la personne qui parle, ça veut dire. C'est-à-dire je, ou les personnes qui parlent, c'est-à-dire nous. Par exemple, je, moi, lui. Je, c'est la personne qui parle, je, moi, lui. Nous ne voulons pas jouer. Nous ne voulons pas jouer. La personne à qui on parle, tu. Les personnes à qui on parle, vous. Par exemple, tu dis oui, une construction. Je veux jouer avec vous. Attention, prenons. Vous, il peut aussi désigner une seule personne que l'on vous voit. Par exemple, venez monsieur, venez monsieur. Alors maintenant, page 189. Les compléments de verbe. Dans le groupe verbal, le plus souvent, on trouve un groupe de mots qu'on ne peut pas supprimer, qui complète soit le verbe, c'est un complément de verbe. Je lis un roman. Un roman complément de verbe, c'est lire. D'accord? Pour trouver le complément de verbe, on pose la question soit qui, soit quoi, soit à qui, soit à quoi. Qui et à qui, c'est pour les personnes, quoi et à quoi, c'est pour les objets. De qui ou de quoi, par exemple. Je pense à cette histoire. Je pense à quoi? À cette histoire. Alors, complément de verbe de penser. Je ne comprends pas cette bulle. Je ne comprends pas quoi? Cette bulle, complément du verbe de comprendre. Alors, je répète. Dans le groupe verbal, le plus souvent, on trouve un groupe de mots qu'on ne peut pas supprimer, qui complète le verbe. C'est un complément de verbe. Je lis un roman. Un roman, c'est quoi? C'est un complément du verbe lire. Pour trouver le complément du verbe, on pose les questions. Qui, quoi, à qui, à quoi? De qui ou de quoi? Après le verbe. Je pense à cette histoire. Je pense à quoi? À cette histoire. C'est un complément du verbe penser.
Je ne comprends pas cette bulle. Je ne comprends pas quoi cette bulle, complément du verbe comprendre. Alors, vous pouvez prendre, s'il vous plaît, votre page 197 et réviser ces règles de grammaire. À partir de page 157 jusqu'à page 189. À très bientôt.